Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut démontrer le théorème de Pythagore. Bon, d'abord, on va faire un petit rappel. Donc, théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de longueur des deux autres côtés. Donc, autrement dit, ABCD est un triangle rectangle. En A, donc BC au carré, il est égal à B au carré plus AC au carré. Alors, démonstration. On va considérer alors un triangle rectangle dont les côtés A, B et C. C, dans ce cas, c'est l'hypoténuse. En utilisant la figure 50, comme vous voyez, donc nous allons alors calculer l'aire de la surface verte du carré K, L, M et N avec deux méthodes différentes. Alors, première méthode, l'aire du carré K, L, M, N, il est égal C fois C, c'est-à-dire C au carré. Deuxième méthode, l'aire, bien sûr, du carré K, L, M, N, il est égal l'aire du carré ABCD moins l'aire des quatre triangles rectangles qui ont isométrique, donc c'est A plus B le tout au carré moins 4 fois A fois B sur 2. Donc, des calculs à faire, AC au carré qui est égal à A plus B le tout au carré moins 4AB sur 2. Donc, c'est égal A au carré plus B au carré plus 2AB moins 2AB. Donc, finalement, C au carré, il est égal à A au carré plus B au carré. Et voilà le théorème de Pythagore. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.